Et salut tout le monde! Welcome pour ce nouvel épisode du Let's Play Monster Hunter 4, les quêtes de la taverne. Et on est en présence encore une fois de l'ami Skyel. Salut grand! Salut, salut, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on va chasser, on continue sur notre lancée et on va chasser Du stygien. du Stygien. Ouais. Du vilain Stygien. Donc c'est Ouais. le Xynogre ultime. Le Xynogre de dragon, on va dire. Voilà. Et aussi le Xynogre des ténèbres, hein, comme son nom l'indique. Alors, je sais pas, j'ai pas fait attention sur quelle map ça va se passer. Normalement, c'est dans le. Attends, je vais voir. Attends, je dis. Il n'y a pas marqué chez moi. Il n'y a pas marqué. Ouais, et moi je ne saurais vous dire. En tout cas, il y aura un. Oh, Il y je crois que aura. c'est dans le. Non, c'est dans le. La neige. Ouais, donc attention, La prendre les neige. breuvages chauds. Ouais. Il y aura un invité mystère qui sera probablement un Devil Joe. Ouais, bah, c'est la neige alors. Donc, bien se munir Des nuances. des bombes de bouse. Ouais. Voilà, et donc, notre client, c'est un monstre de dragon. Son élément, c'est le dragon. Et c'est pas pour déconner, il lance pas que quelques flammèches de dragon, c'est-à-dire que toutes ses attaques ont une composante de dragon, globalement. Donc il faut être bien équipé Pour éviter. au niveau dragon, en défense. Et comme vous pouvez voir sur mon armure de Rathalos argenté, j'ai une défense contre le dragon de 20, et ce qui est plutôt pas mal pour aller affronter le Stygien. Et J'ai 7. je vais y aller, ouais, je montrerai après le tien Skyel. J'ai 467 en défense, mais ça va pouvoir s'arranger en mangeant. Et surtout, je vais y aller avec un katana de Rajang qui a 627 en attaque et 220 en foudre. Ce qui devrait lui faire du bien puisqu'il est sensible à la foudre. Voilà, concernant mes talents, alors j'ai un malus qui s'appelle Recovery Down. Et en gros, ça fait que à chaque fois que je vais me soigner avec des potions, bah, elles vont être un petit peu moins efficaces. En gros, quand tu prends une méga potion, bah, ça te fait l'effet d'une potion, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est le gros malus de cette armure de Rathalos. À côté de ça, j'ai un talent qui s'appelle Weakness Exploit, qui augmente les dommages sur les zones les plus sensibles du monstre, c'est-à-dire là où il a sa sensibilité, le multiplicateur de dommages est supérieur à 45. On ajoutera 5 à chaque fois que je cognerai le bon endroit. Ce qui est plutôt intéressant quand on connaît les sensibilités physiques du monstre. J'ai aussi un talent qui s'appelle Razor Sharp, qui diminue la vitesse à laquelle mon tranchant va diminuer, donc j'aurai très peu besoin de C'est m'aiguiser. bien ça. Et j'ai une attaque de feu majorée de 2, là ce qui va me servir à rien, hein. Qui sert à rien. Ce qui va me servir à rien cette fois-ci. Et je me suis équipé d'un talisman légendaire, donc de rareté 9, qui augmente mon attaque de 10 points. Ouais, dommage, t'as pas un slot, encore un slot pour rajouter genre 15 en attaque. Ouais, mais bon ça, si non non j'en ai des Bah, slots, j'en ai des slots, alors, mais t'attends quoi? je les utilise Ah pas. ouais, punaise, mais utilise-les, putain, t'as 3, 6, Ouais, mais 7, 8, 9. c'est tellement relou. Non. Ah non, c'est pas relou. Parce que t'as la flemme de lire les kanji, c'est tout. Exactement, mais c'est pour ça que je te dis que c'est relou. Ouais, je Si vois. j'arrive à me démerder sans, je fais sans. Ouais, mais j'imagine, là, tu peux avoir beaucoup de talent, quoi. Tu peux retirer déjà ton malus, là, et ajouter l'attaque plus 7. Eh ouais, Skyel. Je sais, Ouais. Bah, il faudra chercher. j'y penserai sur Google, Google. 4G. Je fais un Je peu te ferai moins la mon remarque. kikou. Je Je fais un te peu ferai moins la mon remarque. kikou. Alors dis-nous toi. Oh Bah là écoute, moi j'ai une putain de lance, quoi. Une lance Kirin, elle a vu le jour dans Monster Hunter Ultimate. Bon, je l'ai là. vu, Ouais. c'est pour la première fois, je l'ai vu dans cet opus. Bah, une lance assez agréable à manier, quoi. Et surtout avec le Rajang, parce que bon, le cul du Rajang, il est juste impossible à atteindre avec une GS, donc avec une lance, je pense que c'est faisable de lui faire des picotes, quelques picotes. De lui faire les hémorroïdes. Ouais, voilà, exactement avec la lance. Ouais, mais Voilà. tu nous disais que. Attends, elle est pas arrivée dans Ultimate cette lance.
La Ah, Lance de... pardon, et de Unit, pardon, de Non, Unit. Freedom Freedom Unit. Unit, Ouais. oui, Freedom Unit. Non, Freedom Unit. Parce que Ouais, le voilà. Kirin est arrivé... Le Kirin, il était dans le premier Monster Hunter. Mais il était aussi dans Freedom Unit, effectivement. Et donc, t'as quand même Non, un putain d'attribut foudre à 560. non. Ouais, c'est ça qui gère avec cette lance. C'est Ouais. 560 en attrait foudre. C'est la particularité des armes de Kirin. C'est qu'elles ont un attribut très très marqué. Ouais, voilà, c'est Mais ça. très 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 marqué, quoi. Avec un tranchant blanc. Avec un tranchant blanc en Et plus. alors, normalement, dans le Monster Hunter 4G, normalement, on va pouvoir l'améliorer jusqu'au tranchant Ouais, jusqu'au tranchant violet. violet, voilà. Donc, j'espère. Puis après, alors, niveau talent, j'ai Evade plus 3. Et distance Evade augmentée, j'ai aiguiseur rapide. Et j'ai sharpness plus 1. En D'accord, comme gros, moi là. ouais, Non, voilà. non, non. Sharpness plus 1, Non, c'était sharpness 1, ton c'est tranchant qui a ça. pris un niveau de plus. Ouais, voilà, exactement. Ce qui te C'est vaut ça. d'avoir le tranchant blanc, peut-être. Peut-être que Non, tu c'est dois. ce qui fait que mon tranchant blanc augmente, ou Est bien, plus ouais, je grand. pense que ça aussi. D'accord. Donc, ouais. D'accord. Et tu as donc une défense au dragon de 7. Une défense dragon. Enfin, j'ai 600 en défense, Ouais. et c'est dragon, j'ai 7 en dragon. Ouais, ce qui reste très bien, enfin ce qui est convenable, on va dire. Normalement, il devrait pas me toucher avec mes talents, donc comment ça va? En toute modestie, il ne me touchera pas. Allez, Ouais, on va manger. moi j'ai déjà mangé. Alors, je vais manger quelque chose qui améliore ma défense. Ou plutôt ton dragon, si tu veux, je peux te le dire. Enfin, ouais, trop tard. Non, 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 parce que mon dragon il est déjà à 20. Ouais. J'améliore ma défense tout simplement là. Et puis on va y aller. Ok. Let's go. On va chasser du Stygien. On va chasser du Stygien. Alors le Stygien, c'est quoi comme espèce? Bah, c'est la sous-espèce du Xynogre normal. T'as vu, je t'ai dit que c'était dans le volcan. Enfin, Ouais. dans le Dans la neige. glace. Ouais, la glace. Ouais, la Dans glace, la glace. la mer de glace s'appelle. Bah, franchement, la Ah meilleure oui. map de glace que j'ai vue dans les Monster Hunter, c'est la Toundra. Pour moi, ça reste la meilleure, quoi. La toundra donc dans Monster Hunter 3. Ouais, Ultimate, voilà, c'est la meilleure des maps. Celle-là est très bien. Bon, bah, je préfère en tout cas celle de la Toundra, parce que bon, la Toundra, ça te donne. Tiens, il est là avec moi. La Toundra, ça te donne l'impression que t'es dans cette zone, quoi. Enfin, j'aime bien en tout Ah, cas. mais elle est aussi en haute définition, ça aide, hein. Ouais. C'est ça. Et ça, on l'aura pas avant quelques temps. Et je pense que Ouais. Monster Hunter 4 ne sera peut-être jamais en haute définition. Et moi, je chevauche le Xynogre Stygien. Vas-y, fais-toi plaise. Elle casse le licorne. Je vais lui casser les cornes. Je vais lui péter les cornes. Je pense que c'est la B-Quest, lui péter les cornes. Ouais. Éteint. Donc comme vous pouvez le constater, hein, il est complètement, entouré de, enfin pas encore maintenant, mais il a toujours, on sent toujours l'élément dragon sur son corps. C'est pour ça que je disais, c'est pas juste un monstre qui va cracher un peu de dragon quoi. C'est que toutes ses attaques sont C'est du pourvues dragon. de dragon. Donc il se pointer, affronter le Xynogre Stygien sans une bonne défense contre le dragon. C'est complètement impossible. C'est vraiment un des monstres qui nous fait comprendre Le dragon existe. l'importance de l'élément, Ouais. des défenses élémentaires. Ah, j'aime bien ma lance. Alors contrairement à son homologue, le Xynogre premier du nom, lui on peut le piéger. Enfin Ouais. on peut Vu le qu'il mettre. craint la foudre, vu qu'il craint la foudre, donc c'est facile de piéger lui. On peut le mettre dans la fosse Voilà. Ouais. piégée Ouais. et dans le piège choc. Je me suis j'ai pris Aïe aïe de aïe. Salopard!
Et t'as eu? Il m'a stun. On va essayer de lui faire les cornes, hein, comme tu disais. Donc, concernant J'ai les. sauvage. Ouais, concernant. Concernant les patterns, il a pratiquement les mêmes patterns que le Zinogre classique. En tout cas, on ne voit pas beaucoup de différence. Il me semble que comme le Zinogre classique, il a deux niveaux de charge. Et il a des attaques à distance, à Tiens. l'instar du Zinogre classique, mais qui sont des attaques de dragon. Voilà, donc quel que soit le Zinogre, hein, il faut toujours penser, avant d'aller l'affronter, défense élémentaire. Oh là, j'ai pris une photo là. Comment ça, t'as pris une photo? Ah J'ai oui. flashé dans le vide quoi. Ça arrive. Franchement, avec le talent Evad là. On est en train de lui faire sa petite queue là. Ouais, et là, je fonce, je le trouve là. Regarde, je le perce là. Je le perce, mais je cours, mais je le perce, mais je le perce. J'ai perdu un Sharpness. Waouh, je voyais bien qu'il allait me mettre un énorme coup de cul là. Salopard. Ouais, ça arrive. Il va charger. Est-ce que lui, on peut aller à la chasse aux papillons sur son dos? Ouais, tu peux. Est-ce qu'on trouve des trucs intéressants? Bah, d'insectes dragon, hein, un truc comme ça. Ouais. Donc ils sont plutôt intéressants. Bah ouais. Là, il est en mode vénère là. Je vois ça. Attention. Le retourné acrobatique. Attention au relais. Oh, il joue comme un Arménien, quoi. Franchement. Ouais. Il fatigue. Enfin, alors je précise que je dis ça, on enregistre la vidéo, le match n'est pas encore joué. France-Arménie. Donc si Ah. jamais l'équipe de France a perdu contre l'Arménie, mea culpa, pour les conneries que j'ai racontées. Mais il y a peu de chance quand même. Il veut ma peau, tellement. Putain. Il veut ma peau. Allez mec! Il veut me tuer. T'as vu le talent Evad? Ouais. Et oui, je sais, Skyel, ça sert les talents. Ah ouais, là, il est focus sur moi, là, il va pas me lâcher. Il a dit, je lui fais mal, et il m'a dit, moi, je te fais mal. Ah bâtard, putain. J'étais en train de me soigner tranquille là. Et il fait le foufou, il me met un grand coup de queue. Je vois ça. Les filles, va changer de zone. C'est bon, il est marqué. Ouais. Ah merde. Il m'a poussé à côté. Arrive. Salopard. Il va crier. Regarde, Ouais.
J'ai la protection mais protection des mains. Désolé mec. Pas de soucis. Ça fait partie de la vie d'un chasseur ça. Ah, on lui a pas encore d'un chasseur multi, ouais. On lui a pas encore fait la queue, ce con. Non. Alors là, je commence à être tranche en verre, c'est pas comme ça que je vais lui faire la queue. En tout Moi je suis bien, transforme de. tout honneur. Bien entendu. On n'a pas vu le Devil Joe, tiens. Non, il voulait pas, il veut pas venir. Il avait ma lance de loin, il a dit bon. Bah et non parce que justement ta lance elle va pas lui faire très peur au Devil Joe. Je crois. Vu que t'as quand même. Oh là. T'as quand même un énorme attribut foudre, pas beaucoup d'attaque. Lui s'il est pas sensible à la foudre. Il a faim. Ouais. Je le chevauche ou pas? C'est le moment de. Bah si t'y arrives. Il bouge trop, mec. C'est bon. Ok, je vais me Il va tomber, il focaliser. va tomber. Je vais me focaliser sur sa queue. Il tombe, il tombe, il tombe. Vas-y, vas-y, avec la queue, avec la queue. Moi, le dos. Je lui fais un massage. C'est moi le kiné de Monster Hunter. J'ai trouvé un nouveau job, kiné pour les monstres de Monster Hunter. Te jure. Il va boiter normalement là. Ouais, voilà. Il boite. Alors que Wesh, il a. nos Wesh, félines c'est quoi partent ça? en expédition. What the fuck? Tranquille les mecs. Putain, où est-ce qu'on va là? Ouais, par là. Il va manger. Alors ce n'est pas un. C'est pas un dragon ancien. Hein. Il est bien trop faible pour être un dragon ancien. Ouais. C'est quoi d'ailleurs? C'est un. C'est un croc wyvern. Ouais, C'est un monstre à croc quoi. Un croc. c'est un viverne à crocs, voilà. Ouais. T'as les boomerangs déjà. C'est pire que mouglé, hein. Oh, franchement, ils sont assez efficaces quand même. Enfin, ils font un peu de boulot, quoi, on va dire. On a vu pire dans Monster Hunter 3 Ultimate. Ça serait quand même bas. Grave. Ah, oh, merde. Putain, Tant pis. on n'a pas réussi à lui couper la queue, quoi. Oh, tranquille. Tranquille, tranquille. Oh. De toute façon, on s'en fout. Ouais, je te jure. Le plus important, c'est qu'il meurt. Le plus important, c'est que la commande de 4G arrive assez Non. vite. Ouais. Par contre, dans 4G, faudra se bouger le cul, quoi. Faudra capturer, faudra couper des queues. Pourquoi? Bah, pour aller plus vite. Ah oui. Pour farmer plus vite, pour pas y passer la nuit, quoi. Ça va être dur d'avoir des composants sur le 4G. Voilà, donc vous avez pu voir Zinogortigien. le merveilleux Zinogre Stygien à qui on a bien fait les cornes. Alors là, ça n'avait l'air de rien parce qu'on était bien équipé, mais c'est quand même un monstre assez balèze, assez balèze. Surtout le DLC dans 3 Ultimate, hein. Descente en enfer. Ah oui, le DLC de 3 Ultimate, ouais. Putain, c'est chaud. Il y a des quêtes, la forêt inconnue, où il y a deux Zinogres Stygiens enfermés dans un pauvre glitch. Où là, tu viens juste avec ton arc ou avec ton fusard arbalète et tu les canardes sans prendre aucun risque. Ouais, mais c'est des quêtes cheatées, C'est des quêtes cheatées, ouais, mais j'en ai vu. ça. Ouais, c'est nul, ça. Je suis passé en 244. 244. 4, le 4, ça sonne avec le 4G. Eh ben GG à toi mec. Ouais, merci. C'est peut-être ton dernier rang.
C'est peut-être Non, je ton. crois pas. Non, mais Même pas. c'est peut-être ton dernier rang avant 4G. Non, je pense pas. Non. Non, je pense qu'il y aura d'autres quêtes. Enfin, il y aura d'autres rangs. Non, puisque notamment on va se faire le Kirin maintenant. Ouais. En Mais tout ça, c'est cas, facile. Xenogre Stygien, rest in peace. Rest in peace, man. RIP. RIP, comme on dit. Voilà. Bon, à bientôt les loulous. À bientôt pour une autre vidéo, on va dire. Continuez bien sur Monster Hunter 4 du pauvre ou sur 4G du riche. Voilà. Et si vous attendez 4U, n'oubliez jamais que nous serons là pour vous faire tâter un peu de 4G en attendant. Ouais, on va vous faire baver. Désolé. Ah, ou en tout cas, on va vous faire faire le tour du propriétaire au maximum de nos capacités. Sans spoil. Enfin, À on bientôt, espère. bye bye! Tchou!